Donc, localement, le terrain peut se compliquer d'une embolie, non, ça localement, thrombose, oui, anévrisme, oui, hémorragie intraparitale, oui, ulcération de la plaque, oui. Parmi les lésions suivantes de l'athérosclérose, lesquelles sont réversibles? Point lipidique, oui. Plaque athéromateuse, non. Plaque calcifiée, non. Strie lipidique, oui. Plaque gélatineuse, oui. Oui, oui. La plaque gélatineuse est réversible. Donc, une artère de moyenne calibre est le siège d'un remaniement de son intime, avec accumulation des lipides, du sang et de la fibrine. Il s'agit de médianéprose, non. Athérosclérose, oui. Artériolosclérose, non. Anévrisme, non. Thrombose artérielle, non. Les lésions athéromateuses siègent habituellement au niveau des artères coronaires, oui. Artère rénale, oui. Artère pulmonaire et épicale par les muscles. En cas d'hypertension HTAP, on peut avoir une atteinte de l'artère pulmonaire. Donc, comme question, l'artère pulmonaire, l'artère pulmonaire fait un litige. Les artérioles de petit calibre. À la SSIA, c'est une pathologie des artères de gros et de moyen calibre. Donc, on va donner la artériole. Mais l'artère pulmonaire, mais maintenant, les tiges, en cas d'hypertension pulmonaire, on peut avoir de l'athérosclérose. Hein? Et il manque cette flèche IAP, là. لينجم يكون عنا دونك ما تنجمش حتى غلطه خاطر ينجم يكون عنا ليزيون ديبيتونت دو لاتيروسكليروس سيج ارتيريول les artères de petit calibre artériole les artères de gros et de moyen calibre et les ondes de bifurcation. On a tous les artères de gros et de moyen calibre et les ondes de bifurcation. Donc, comme le collègue va traiter un film. L'athérosclérose, le cholestérol, le plaque, elle ne se constitue qu'une fait des artères de moyen et de grand calibre. Elle ne se constitue pas que les artérioles. Donc, l'élision débutante de l'athérosclérose siège au niveau de l'adventice, non. Media, non. Limitante élastique interne, non. C'est après, dans l'évolution, on peut avoir une destruction de la limitante élastique interne. L'intima, oui. Les vasovasorants, c'est secondaire lorsqu'il y a modification de l'intime. Donc, au début, c'est l'intime. Parce que la question débutante. Parmi les modifications suivantes de la paroi artérielle, lesquelles qui se voient dans l'athérosclérose? L'hyperperméabilité, non. La présence de macrophages spumeux, oui. L'épaississement fibreux de l'intima, oui. La dégénérescence myxoïde, non. La dissociation hémorragique de l'adventice, non. Donc, B et C. Donc, au stade initial de l'athérosclérose, les lésions sont caractérisées par la présence au niveau de l'intima de l'œdème, oui. Cellules épithyloïdes, non.
plus chargés en lipides. Oui. Les facteurs de risque de l'athérosclérose sont l'hyperlipidémie. Oui. Le tabagisme. Oui. L'hypertension artérielle. Oui. L'hyperparathyroïdie. Non. L'hyperuricémie. Non. Les lésions athéromateuses peuvent siéger au niveau de l'artère pulmonaire. C'est pas classique, ouais, mais donc des artères coronaires, oui. De l'aorte abdominale, oui. De l'artère rénale, oui. Des artérioles, non. Quelles sont les propositions exactes concernant l'athérosclérose? Donc, l'athérosclérose prédomine dans l'intima des artères, oui. Peut détruire la limite antinastique interne dans les lésions évoluées, oui. Forme des plaques qui peuvent s'ulcérer, oui. Touche surtout les grosses veines, non, c'est plutôt les artères. Peut-être à l'origine des anévrismes, oui. L'évolution d'une plaque d'athérome peut se faire vers l'ulcération avec embolie cholestérolique, oui. Thrombose paritale, oui. Anévrisme, oui. Disparition sous l'effet de traitement, non. Stade de plaque, il n'y a pas de disparition. Et vers la calcification, oui. Donc, l'athérome est une lésion qui atteint les artérioles, non. Les veines, non. Les artères de gros calibre, oui. Les capillaires sanguins, là, non. Les lymphatiques, non.